j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Et voilà, les doigts dans le nez. Enfin. Les affaires reprennent. Hein, ça devrait faire l'affaire. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? C'est parti! Je crois que je pourrais essayer de glisser par là en accrochant ce poteau. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Allez, toujours plus haut. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Alors, et maintenant? J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Les Espagnols savaient construire des prisons solides. Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Si seulement Sam pouvait voir ça. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Une cellule? Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, par où commencer? Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors,
C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Ah, c'est pas ça. 10 et 2. X et II. Regarde-moi un peu ça. Digna factis recipimus. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. La première marche est dangereuse. Et maintenant... Attention. Encore une fois. J'aimerais bien voir Ray faire ça. C'était mon épaule. Voilà, Vargas. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. Oh, merde! Non! J'ai réussi. Ça, c'est bon signe. Beau travail. T'as trouvé quoi, Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. C'est un sacré acteur, Vargas.
presque aussi bon que moi. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça ouais, va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Hé, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raifea. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. En parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh, merde! Raif, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit, hein. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu. Je savais pas qu'il avait autant... d'amis. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¡Tú no te metas! ¡Pendejo! ¡Otra vez, pendejo! Siéntate. Ça va, pour l'instant ça va. N'oublie pas. Direct, tu frappes. Ouvre-toi. C'est pas encore fini, les gars. Hora de irse, gringo. Sam, ¿sí te ha venido?
Merci. ¿Estás muerto? Chez moi. Ok, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Est-ce que tu fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que tu te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? T'es sérieux, là ? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25, ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me tuer... Putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Et merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! C'est pas vrai. L'oreille, où est-ce qu'on va? Le phare. Ailleurs, Abla, ça dit que Balbo est barré au pied du phare. Ok, mais de quel côté? Je sais pas. Toi dehors, on verra bien. Mais, cul-de-sac! La fenêtre! Vite, Nathan, aide-moi! Allez, grouille! C'est bon, alors vas-y! Allez, va voir le phare, quoi! Ouais, après toi.
Faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Continue à descendre le courant. Bien sûr. Tiens-moi au courant. Je le ferai. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille. Tu veux remonter? Non, ça va aller. Ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. J'ai quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Padrouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Eh, je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave, elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake, tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvée. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. Bon, c'est parti. Mmh.
Tigre ? C'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, on en a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la caisse est ouverte. J'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Une caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit ? Ouais, parfait. Ne lâchez pas sur moi. Je te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Oh oh. Voilà, tout est là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens ? Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. Je vais tuer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je patiente. Ça va les gars ?
Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche là. Salut vieux. Ça a été ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comment ça Est-ce qu'on a tout ? Il enfin, manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Là, faut la signature ici. Ok. C'est fait. Si seulement il passait tout ça en numérique, on en reparlera plus tard. Mon hey, héros. Pour longtemps. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi, alors? Oh, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Alors, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux. C'est toi qui vois. Hé hey. Ça fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hey, hey, Nate! Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement, on a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job, le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé, et puis ton fameux contact, là... Il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser.